Allô, Catou. Allô, Catou. Allô, la belle fille. Oh, t'es bien. N'hésite pas. Ouais, m'a regardé ça. Bon matin. On est dimanche le 6 octobre. Hier, c'était une journée. J'étais inquiète. J'étais vraiment inquiète. Je trouvais que lui avait pas le moral. Il buvait pas, il mangeait pas. Il m'écrivait des affaires pas fines comme mettons bas de l'air. T'sais, moi j'essaie de donner des signes pour qu'il boive. Fait que j'étais beaucoup appris à désinfecter sa bouche, ses lèvres. Puis, tu sais, il m'écrivait des affaires pas gentilles, là. Genre, laisse-moi en paix, bas de l'air. Fait que, tu sais, je trouvais ça tough hier, vraiment. J'ai pleuré une couple de fois. Mais en soirée, il nous donnait de l'espoir. Tu sais, il restait dans son lit. À un moment, il est allé prendre sa douche, il était à la quatre pattes. Fait que j'étais là, Caroline. Mais finalement, il a demandé de prendre sa douche souvent. La première fois, il s'est allé à quatre pattes, mais après ça, il s'est allé debout, mais il s'est assis dans la douche. Mais on dirait que l'eau qui coulait sur lui, ça lui faisait du bien. Fait que j'ai même réussi à laver les cheveux. Puis après ça, ben, il a accepté de descendre en bas. Puis il a rebu de l'eau aux fraises. C'est pas beaucoup, mais il a rebu dans la seringue. Tu sais, là, ça m'avait encouragé, là. Ça m'avait encouragé hier de le voir qui était descendu. Mais tu sais, il n'y a pas le moral. Tu sais, il dit que son moral, il nous fait signe. Le moral est à 3-4. Il voit ça gros, tout ce qui s'en vient, tout ce qu'il va falloir qu'il passe, là. Fait que c'est normal aussi, tu sais, c'est le contraire, tu sais, c'est normal qu'il y ait une baisse de morale, ça, je pense, c'est ça, là, c'est que... fait que c'est ça, fait que là, il a fait une belle nuit, il a encore fait une belle nuit, pour ça, il dort bien la nuit. À matin, il retournait prendre sa douche, mais là, il avait le goût de slush, il avait un craving de slush, de root beer et de Gatorade bleu. Fait que là, quand on est allé porter Katia en répit, on a retourné la porter tantôt, on est allé l'acheter, mais là, il prend pas plus. Même s'il avait ses craves-là, il en prend pas plus. Là, il dit qu'il a tout un goût de sang séché dans sa bouche, puis que ça donne pas le goût de manger. Fait que là, on va falloir essayer de rincer ça avec d'eau saline. Moi, je l'envoyais juste sur ses lèvres, mais là, il va falloir comme rincer sa bouche en dedans aussi, je pense. Fait que c'est ça. Mais là, il fait du spa. Il est venu faire du spa. Ça, je vous montrais, j'étais dans le spa avec Lucas, justement. Puis Nick est venu aussi. Nick est donc dans son logement hier pour la première fois. Mais là, il venait d'arriver, puis il venait faire du spa avec nous autres. Puis là, il nous a, tu sais, il a fait parler de chat GPT. Puis là, en accent beauceron, puis en accent québécois. Puis là, on a ri, là, on trouvait ça drôle. Ça a fait sourire Lucas. Fait que j'ai trouvé ça fun. Là, il est encore dans le spa avec son frère. Moi, je suis débarquée, parce que je vais préparer son eau saline s'il veut désinfecter sa bouche. Fait que c'est ça. Puis ça fait beaucoup de lavage parce que je suis en train de nettoyer les serviettes, ses draps, changer les draps souvent. Fait que c'est ça, un jour à la fois. Mais tu sais, il sera pas prêt d'aller à l'école. Puis là, tu sais, je vois ça gros, là. Là, il sera pas prêt d'aller à l'école demain, puis sûrement pas mardi comme là, je vois ça, là. Mais là, je vois ça gros, j'ai pas qu'il perde la matière. Alors, j'ai pas qu'il se fasse redoubler à l'école, pas dedans, tu sais. Ah, en tout cas, faut pas que je pense trop loin, mais tu sais, je vois ça gros. Là, à matin, je suis contente, par exemple, il a fait une selle. Même s'il mange pas, depuis, il n'a pas mangé depuis mercredi soir, là, de repas solide, là. C'est pas drôle, là. Moi, j'ai deux bébés qui mangent pas, là. Tu sais, Katia et tout, on a nourri à 5. Mais, Katia nous laisse faire à 5, là, par exemple. Hier, ça a bien été son répit en parlant de Katia. Ça a super bien été. Il est allé au citrouille. Ils ont dit ça a bien été, puis elle a réussi à prendre un gobelet, là. Fait que j'étais contente. Ça a super bien été. Fait que j'ai aimé ce principe-là, là. Tu sais, à matin, on est allé la reporter. Il avait eu ses affaires. T'sais, les autres, ils ont pas comme un gosse après, là, pis stressé parce qu'il faut qu'elle ait ci, il faut qu'elle ait ça. Fait que là, c'est ça. Hier, j'ai pas parlé ben, c'est ça, j'étais pas dans mon assiette. Les enfants, Sabrina a réussi sa course de 10 km. Elle a réussi, elle a pas fait tout en courant, c'est ça, parce qu'elle a mal au genou, là, c'est ça. Là, c'est plus son dos, mais c'est comme le genou, là, qui dit lâche, là. Mais elle a réussi à la faire pareil, la course. Elle a marché par moment, mais elle l'a fait pareil, puis Max, puis John aussi, puis pareil. Pas mal dit, c'était vraiment un bon feeling. Elle dit l'année prochaine, elle m'avait envie de s'inscrire aussi. Là, là tu vois qu'il y avait leur médaille de 10 km. Fait que là, je suis vraiment fière en pensant à ça. Je l'émotive aussi parce que, tu sais, avec les douleurs qu'elle a eues au dos qui la rendait, tu sais, elle pouvait pas faire grand-chose, Sam, non plus, là, dans les déplacements, dans les sports, là. Puis là, qu'elle ait réussi à faire un marathon de 10, une course de 10 km, là. Fait que c'est ça. Le but, c'est de prendre une journée à la fois. De jour en jour, ça va aller mieux. Puis de toute façon, je faisais déjà ça avec Katou.
Jamais avait montré ce gâteau de y aller un jour à la fois, j'essaie de pas penser trop loin. Puis de voir le positif, ça aurait pu être pire. Ça essayer de t'accrocher à ça, puis tranquillement on va arriver. Fait que c'est ça. Puis profiter du moment présent le plus possible, hein. Ça encore, ça nous le prouve, là. Tu sais, genre vous, mercredi soir, il y avait souper, on était ensemble sur le divan, il venait de faire son devoir, il venait d'aller flatter, il venait de prendre Minouchka pour la flatter. Puis là, ça en allait jouer au parc tout heureux, puis tu sais, regardez ce qui est arrivé, tu sais. Fait que c'est ça. Ok, je vous reparle. Il est rendu presque 4 heures encore. Là, je viens de partir de la zone au four. On va aller chercher Katia bientôt. Mon chum, il travaille sur le toit. Le cab, ben, il prend du mieux. Il prend du mieux. Aujourd'hui, il est allé dehors. Il est allé se bassiner en arrière chez nous aussi. Il est allé un petit peu au parc marcher. Il a bu beaucoup de slush, finalement. Il a bu beaucoup de slush. Il a bu la route B. Puis de la... Il y a un massage, il y a plus d'autres choses. Du jus de pêche. Du gâteau, tu sais. Du gâteau. Mais le gâteau, il disait que ça lui faisait... C'était moins bon le goût dans sa bouche. Le gâteau mélangé avec la... C'est à cause qu'il dit qu'il y a un goût de sang puis de métal en bouche. Fait que c'est sûr qu'il y a des aliments, c'est plate comme mélange de tout ça, là. Mais plus qu'il va boire, ben c'est sûr, plus que ça va faire tout bouger ça, puis ça va faire disparaître ça, là. C'est un cerf vicieux. Mais c'est sûr qu'il n'a pas encore mangé. Pas encore mangé, puis là, il est maigri, là. Tu vois, ses culottes, là, c'est rendu lousse vraiment autour de la taille, là. Fait que là, j'ai hâte qu'il mange quand même un yogourt, un pudding, quelque chose de plus consistant. Là, c'est ça. Sabrina est venue tantôt. Nick aussi. Ben ça, je l'avais dit, Nick, on a fait du spa. Là, Sabrina est venue avec John. Puis, ben là, je pense qu'elle va revenir avec son bébé chat, Maslow, pour Lucas. Ça va lui faire du bien de voir Maslow. Puis, là, Lucas, il a réussi à prendre son réactine parce qu'il est allergique. Fait que, il a pris ça mélangé avec la slush. Fait que là, Lucas va avoir Maslow dans pas long. Puis une autre, ben là, c'est ça, on va aller rechercher Katia. Fait que c'est ça. Ouais. En tout cas, chaque jour, ben c'est ça. Chaque jour, ça va de mieux en mieux, mais il reste qu'il mange pas encore. Il mange pas encore, puis... c'est ça. Mais en tout cas. Allô, Katou! T'as passé une belle journée? De la sécheresse. Oh. C'est normalement une version slow de toi-même, là. Prends-toi. Prends-toi, gros coin. T'es supposé être un maquette. T'es un maquette, toi. Allô, Katia. Bonjour. Katia. Katia, tu t'es fait maquiller? T'as eu une belle journée? Hein? Ah, ouais, ça coûte ses pieds à Lucas. Tu sais qu'il rentre pour un temps. Tu rentres dans la nuit, toi. Elle m'a étourdi. Ah. Genre, tu vas le faire comme si tu vas. Oh. Oh, Jack, il ronronne tout le temps. Il va pitcher ta seringue. Oh, Jack, il ronronne. Katia. Ah, tu l'as, ça me décide de commenter avec un peu. Une chance, maman. Ouais. Katia, sur le divan, Nicolas. Ah, on est venu voir Nicolas. Papa est venu m'aider à monter dans le bureau d'ordi. Puis, Katia, ben, tu sais, c'est du vanille. Hein? Ouais. C'est du cœur, mais lui, il t'aurait pas de prendre un chez Nick. Ça va pas m'amener aujourd'hui. Fille d'amour à maman. Oui, la petite fille d'amour à maman. Ouais. Qu'est-ce que tu vois la lumière? Ouais. Ah, Katou, t'avais l'air bien? Hein? Coucou, Katou! Annick, ça achète une belle doudou. Elle est douce, ça n'a pas de sens. Il dit que le pro canac. Est-ce qu'elle est belle? Tu veux-tu fouiller? Tu veux-tu fouiller? Tout le temps, on va en aller à toi. Katou, on part pas tout de suite.
Non, t'es déjà prêt à repartir? Oh non! Bonne nuit, Katia. Bonne nuit, mon petit cœur. À demain. À demain. On va briller la petite Catou. Ouais. Regarde. Poupoune à maman. Ils ont collé des petites étampes. Elle a eu une belle fin de semaine de répit. Ça a été le fun, là, comment on a procédé. Non, mais là, il va renverser ton jus. Ton gobelet, voyons, pas ton jus. Bye-bye. Bye, bye. Bye, des filles.